Bonjour, aujourd'hui c'est littérature. Et vient de paraître en français le dernier roman de l'italien Alessandro Baricco qui s'appelle Mr. Gwynn. Un roman étrange, insolite, singulier comme il en a l'habitude, et poétique, bien sûr. Au départ, donc, une histoire assez amusante d'un écrivain qui un jour publie dans le Guardian une liste de choses qu'il ne veut plus jamais faire, 52 choses. Et la 52e, c'est qu'il ne veut plus écrire un livre. Donc cet écrivain, qui jadis était accordeur de piano, Mr. Gwynn, va essayer de tenir son engagement au grand dam de son agent, et puis il va pas y arriver. Quelque part, c'est impossible pour lui d'abandonner l'écriture. Alors il va essayer de trouver des ersatz, des subterfuges, et puis finalement, au gré de ses rencontres, et surtout de la visite d'une exposition où il est fasciné par la densité de portraits, de gens photographiés nus, il va se dire, il faut que je devienne moi aussi portraitiste, copiste, et je vais faire des livres, enfin je vais faire des portraits pour une seule personne, pour la personne qui réclamera ce portrait. Je vais donc le facturer et à chaque fois je changerai de personnage en fonction de l'offre et de la demande. Il se retrouve donc à louer un atelier, c'est tout un dispositif, et en fait on a l'impression non plus qu'il s'agit d'un écrivain, mais vraiment d'un peintre. Il met vraiment toutes les conditions. Il y a même la musique, des ampoules électriques bien spéciales. Et au fur et à mesure de ce travail qu'il mène, on a droit donc à des portraits qui se font après 32 jours passés dans cet atelier. Des gens donc qui se présentent nus, qui vaquent, qui ne parlent pas trop. Il va juste poser quelques petites questions à la fin. On se dit vraiment, on est dans une œuvre d'art plastique, dans une installation, dans une performance. Eh bien non, à la fin, il y a quand même ce portrait qui arrive et qui est magnifique. Alors ça commence par le portrait d'une jeune stagiaire qui va devenir sa stagiaire et qui va devenir en fait sa collaboratrice. Et puis il va y avoir d'autres gens qui vont venir. On va comme ça connaître différentes vies jusqu'au jour où un de ses sujets ne jouera pas le jeu. Et à ce moment-là, il va disparaître. Alors je ne vais pas vous dire la fin du livre. Mais évidemment, il va y avoir une fin inattendue. Et on va comprendre à travers cette fable, en tout cas, tout l'amour que porte le héros, Mr. Gwynn, à la littérature. Et au-delà de ça, tout l'amour que Alessandro Baricco porte à la littérature. Cette façon de démontrer qu'il est impossible pour un écrivain de s'arrêter d'écrire. Et puis surtout, cette façon de se dire que l'écriture, ça sert à dire l'essentiel, d'aller au cœur des gens, au cœur des choses. Et de faire renaître les gens à travers les livres, et que la fiction, c'est une façon, de combattre, la solitude, l'angoisse, l'existence noire que peuvent connaître les êtres. Les êtres perdus se retrouvent dans les livres. La vie de chacun est un roman, et c'est un peu ce que raconte cette histoire d'Alessandro Baricco. Je vous en ai déjà trop dit. Vous pouvez vous jeter sur ce livre qui n'est pas très long, et qui franchement offre de grands moments de littérature et de poésie.